Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire où nous allons faire le tour de toutes les nouveautés de la semaine sur Red Dead Online avec comme d'hab mes commentaires et mes conseils. Nous sommes le 29 mars 2022 et nous arrivons enfin à la dernière semaine du mois et donc la dernière semaine effective pour les bonus de la Newswire du mois de mars 2022, à voir ce que Rockstar nous réserve pour le mois d'avril, même si on n'en est pas encore là. Sinon, évidemment, comme à notre habitude, je n'oublierai pas de remercier les adhérents à la chaîne, les membres du gang pour le soutien et la force qu'ils m'apportent de jour en jour. Et maintenant que c'est dit, quoi de neuf sur RDO? Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette vidéo avec les bonus actifs du mois de mars. Nous en terminerons avec les bonus dédiés à la semaine du 29 mars au 4 avril, en essayant de perdre le moins de temps possible. Justement, on se rafraîchit la mémoire avec les primes classiques, les primes de joueurs ainsi que les événements du chasseur de primes qui rapporteront toujours le double de dollars et d'XP en cas de validation. Pour ce qui va être des primes prestigieuses ainsi que les primes légendaires, ce sera 3 fois plus de dollars et d'XP pour le coup. Tâchez d'en profiter si vous voulez un petit peu farmer ces activités puisque c'est la dernière semaine, je le rappelle. Pour ce qui va être des joueurs qui voudront se lancer dans la carrière de chasseur de primes, la licence de chasseur de primes de base est toujours à 10 lingots d'or au lieu de 15 lingots d'or. Donc profitez-en, là encore c'est la dernière semaine. Et sinon pour ce qui va être des bonus de connexion et des autres petits cadeaux par-ci par-là, je vous renvoie sur ma vidéo du 1er mars qui recense un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur cette newswire du mois de mars 2022. Maintenant que j'ai dit ça, on va parler de la semaine du 29 mars au 4 avril comme prévu, en commençant par la série à la une. Cette semaine, ce sera la série confrontation en mode extrême pour les amateurs de PVP. Et sinon, petit bonus, pas dégueulasse, j'allais dire, c'est peut-être le bonus le plus intéressant de ce mois de mars 2022, puisqu'il demandera de terminer 15 primes de type classique, légendaire ou notoire pour se voir offrir en échange 3 lingots d'or. Donc profitez-en si vous êtes en début de partie et que vous manquez un petit peu d'or par-ci par-là, c'est vraiment l'occasion de faire ça rapidement. J'imagine que comme ça faisait longtemps, on retentera un petit live avec notre personnage de Francis Corazon, histoire de rentabiliser tout ça évidemment. Vous l'aurez compris, nous arrivons à la fin de cette chronique des nouveautés de la semaine. Évidemment, je ne vous laisserai pas sans vous avoir posé la question du jour. Question qui est totalement en rapport avec les dernières nouvelles en ce qui concerne le GTA+. Puisque malheureusement, ce week-end, donc le week-end de l'annonce, je n'étais pas chez moi, je n'étais pas sur Strasbourg. Ce qui fait que je n'ai pas pu traiter de ce que j'en pensais. Je n'ai pas pu analyser ça en vidéo. Peut-être que je le ferai, même si voilà, l'actualité est déjà passée, donc j'arriverai après le train. Pour le coup, j'aurais quand même voulu savoir de votre côté comment vous avez pris cette annonce du GTA+, avec les points positifs et négatifs. Vous êtes satisfait, vous l'attendez, est-ce que vous êtes dégoûté, est-ce que c'est dans la continuité un petit peu de cette image de marque de Rockstar qui dégringole de jour en jour, de mois en mois et d'annonce en annonce? Dites-moi tout ça dans les commentaires, évidemment ce sera l'occasion comme d'habitude de comparer les avis de chacun. Et sinon pour le reste, vous le savez, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos collègues Cowboy Prise Info pour être utile. Pour ma part, je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits. It was dead or alive, and they sure ain't alive.